Bambu, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire deux petites idées apéro. Donc la première, c'est à base de poisson. Donc on va commencer par lever nos filets de poisson. Donc on a déjà vu comment faire dans multiples vidéos que je vous invite à aller voir. Donc ici on lève le filet, on va retirer ensuite la peau et ensuite on va inciser en deux et bien retirer toutes les arêtes qu'on a au milieu de notre filet. On va ensuite pouvoir commencer à paner nos filets. Donc on les passe premièrement dans la farine, ensuite dans un mélange d'œufs avec du sel, du poivre. Et ensuite on va les passer dans les cornflakes. Voilà, on passe bien, on mélange bien afin que ça soit bien recouvert totalement de cornflakes. Et ensuite, on va pouvoir aller frire nos petits filets dans l'huile bouillante. Voilà. Et bien sûr, on n'oublie pas de retourner nos petits fingers afin qu'ils cuisent des deux côtés. Et pour finir, on va les passer dans un papier absorbant afin de retirer le surplus d'huile. Ensuite, on va passer à notre petite mayonnaise. On va se faire une petite mayonnaise au citron pour aller avec nos fingers. Donc, on a besoin d'un jaune d'œuf, d'une cuillère à café de moutarde. On va émulsionner le tout avec un peu d'huile d'olive pour commencer. Et ensuite, on va utiliser de l'huile de tournesol, sinon on va avoir trop le goût de l'amertume de l'huile d'olive. On émulsionne bien jusqu'à obtenir une consistance qui nous convient. On ajoute un petit peu de vinaigre de cidre. Pour finir, on va ajouter du sel, du poivre et du jus de citron. Pour notre deuxième petite bouchée, on va réaliser des mini burgers. Donc pour la pâte, on utilise la même recette que sur ma vidéo sur les burgers. Voilà, ce qui est assez logique. Ensuite, on va fermer des boules vraiment toutes petites en s'aidant de nos paumes de main afin de leur donner une belle forme. Voilà, je vais observer le mouvement attentivement. Pendant que nos petites boules de burger sont en train de gonfler pendant une heure, on va réaliser un chutney. Pour ceci, on a besoin de deux oignons qu'on va faire caraméliser avec le jus des abricots. Et ensuite, on va ajouter tout simplement les abricots et laisser ça caraméliser. Voilà, c'est vraiment tout simple. Vous ajoutez du thym, du sel, du poivre. Et voilà, vous avez un petit chutney. Un chutney, c'est un genre de compoté caramélisé qui se marie super bien avec un foie gras. Ensuite, nos petites boules ont bien gonflé, donc on va pouvoir leur passer notre dorure, donc tout simplement jaune d'œuf avec un petit peu de sel et de poivre. Et on ajoute nos petites graines de sésame. Voilà, on laisse cuire ça. Et voilà, nos petites boules sont toutes mignonnes, toutes prêtes. On les découpe ensuite en deux. On va disposer le chutney et ensuite le foie gras. Et voilà, on va refermer tous nos petits burgers. Voilà, ça fait une petite idée apéro assez facile. Le seul inconvénient est qu'il n'est pas toujours facile de trouver du foie gras. Voilà. Mais je vous invite à aller sur une île française trouver du foie gras. Ou bien faites un stock avant de partir. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous proposer. Sinon, faites des mini burgers à autre chose. Soyez créatifs. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu. Et n'oubliez pas de vous abonner ainsi que de cliquer sur la cloche pour être informé de mes prochaines vidéos. Voilà, régalez-vous et videz vos cambuses.